Salut à toutes et à tous, c'est Copain pour vous, j'espère que vous allez bien. Les clones trolls de niveau 3, regardez ça. Ils sont drôlement résistants. Waouh! Je vous retrouve dans Genesis Alpha 1. Il faut vite que je me dépêche parce que à mon avis, il va y en avoir dans les minorés. Peut-être pas. Ah mais arrête de me pousser. Mais c'est pas possible ça. On le sait, ce sont les limites du jeu. De grosses limites. Hein, problème de création, de codage, de programmation qui font que on a ces collisions comme ça débiles. Je suis allé sur la seconde planète du système où j'étais la semaine dernière. J'ai encore récupéré des échantillons, mais c'est tellement dangereux. Vu que je mets pas mes... En fait, il faudrait que je demande à mes clones holo qui ont 175 et qui ont énormément de résistance de venir m'aider parce que c'est la galère complète là. Oh là 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 là. C'est extrêmement pénible. Donc j'ai récupéré encore un palme. Oui, il s'appelle palme, hein. C'est du palmier, mais bon. Je suis à court de soufre, une fois de plus, puisque on le sait, hein, les tourelles, ça consomme 3 soufres. Et comme j'ai encore passé 2 tourelles sur la planète, j'ai continué à monter l'irradiateur de niveau 3, j'ai récupéré encore des DNA sur les liquides, là sur les crawls de niveau 3. Mais ouais, il va falloir que je donne l'ordre à mes clones de m'accompagner dans la défense, parce que tout seul je peux pas le faire. Pourquoi il m'en a donné qu'un? Ah oui, 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 ils sont tellement bêtes et disciplinés. Vu que j'avais donné l'ordre d'aller chercher... Ah ben non, mais j'ai compris. Voilà, bête et discipliné. Non, non, on avait bien chargé en entier le... Voilà. Il y avait 2 plantes et 3 minerais. Mais comme les 2 autres couillons, ils étaient là-bas bloqués derrière le portail. Ah là 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 là. Ah ouais, non, mais moi j'essaye de sécuriser parce que même le... Même ce portail, les spores, ils passent à travers. Et voilà. Et allez. Bon, alors, on va aller planter la nouvelle plante que j'ai récupérée, qui est une plante fongique, un champignon, de niveau 4. Et pendant qu'il fait ça, je vais vous montrer ce que je vous avais déjà expliqué. Je me fais avoir à chaque fois. Vu que j'ai planté mon pain, on va virer une fougère. Il n'y a aucun risque. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai 15 d'O2, j'ai que 8 membres d'équipage. Ce qui fait que je clique là-dessus, je détruis. Vous avez bien vu, elle a marqué. Elle a dit plante morte. Hein. Et on vient choisir le palmier. Que l'on plante à la place. Voilà. Et comme ça, on a gagné un d'oxygène. Ce qui fait que, logiquement, vu que dans cette campagne supérieure Genetics, on a 6 pots et non pas 5, comme dans la campagne balistique générale, 6, si j'arrive à remplacer toutes les fougères et les champignons, 1, 2, 3, 4, hein, 4 fois 3, 12, plus l'autre côté, bon, on arrive à monter et à pas avoir besoin de faire 3 ou 7 ou plus. Alors, faisons voir. Bon. Il est en cours.
Alors par contre, ce que je vais faire, je prends une minute, je vais aller détruire mes stocks parce que ça sert absolument à rien. Maintenant que j'ai commencé à trouver les palmiers et les champignons, je peux détruire le stock ici. Voilà. Comme ça, c'est tout vide. Waouh. Oh la vache. Eh ben dis donc, ça c'est de la serre, hein. C'est la serre des géants, c'est la serre des mammouths costauds. Et donc, il y a encore... Voilà, il est en train de produire le quatrième. Boum. Waouh. Géant, immense. T'as fini... Y a rien dessous, hein. On est tranquille, hein. Tout nettoyer, hein. Bon, donc j'ai fait l'étude des deux planètes. Il y a du cuivre et de l'aluminium, mais bon. Hein, du cuivre, j'en ai encore un peu. J'ai pas besoin réellement de construire quoi que ce soit en ce moment. Ah ben oui, évidemment. Comment peut-il planter si je lui donne pas l'ouverture? Et voilà. Alors, pour ceux qui se posent des questions, oui, j'ai peinturluré l'intérieur de mon vaisseau. Je sais plus. En fait, je crois que je vous en avais parlé dans les vidéos que j'ai dû effacer parce que j'avais eu un souci de audio. Donc, on vient à ce niveau-là, hein, dans la tablette du capitaine. Et vous voyez, vous avez peinture de vaisseau. Donc, la première ligne correspond au plafond et aux meubles. Donc, on a toutes les couleurs que l'on veut. La deuxième ligne, ce sont les murs. Voilà. Et la troisième, c'est le sol. La seule chose, c'est que vous voyez, on n'a pas les couleurs de partout. Là, j'ai un peu de rouge qui apparaît. Mais dans la serre, il n'y a rien. Ici, il n'y en a pas non plus. Là, on voit un peu de ce rouge au niveau du téléporteur. Mais c'est très discret. Hein. Et puis, vous voyez, les sols, là, ils sont bleus. Alors que, en fait, j'ai choisi la couleur blanche. D'accord? Donc, la peinture, pareil, ne fonctionne pas autant qu'elle devrait fonctionner. Puisque le reste du vaisseau, lui, il ne change pas de couleur. Ou à dose infinitésimale. Alors, ah bah évidemment, il y a du platine à l'intérieur de cette zone. Oh, vous êtes pénible. De l'or, de l'aluminium. Ah, encore un pain. Bon, bah on va aller chercher le pain. Hein. Non, il n'y a pas de jambon, il n'y a pas de saucisse. A... Bon, je sais, c'est pas... Ça vole pas haut. Du cuivre, du fer, du soufre. Ah, du soufre. Bon. Ben écoutez les amis, je vais continuer à explorer encore. Hein, parce que j'ai besoin de ressources. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de soufre pour pouvoir attaquer. Pour pouvoir me rapprocher de la genèse. Parce qu'il va me falloir... une fois de plus, je suppose que... ça, on va se trouver sur une planète avec un ennemi monstrueux. Donc... il faut beaucoup de tourelles et de barrières d'énergie. Il faut que je remonte dans cette zone là, ce coin là, pour vous montrer. J'aimerais arriver à le retrouver, ce monstre, cet ennemi, parce que ça a été vraiment très 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 surprenant.
J'avais jamais vu. Vu que dans ma précédente vidéo, dans ma précédente campagne, dans ma saison 1, je n'étais pas venu dans ce coin-là, ben je connaissais pas les liquides et ce fameux... Je sais pas comment on peut l'appeler. Hein. J'ai pas le nom, parce que j'ai pas trouvé d'échantillon. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est un mix entre un holo, un zeleni, une sirène. Et alors, par contre, ça traverse les barrières. Ça, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment très surprenant. Ce système de barrières superposées, je vous avoue qu'il est vraiment intéressant. Parce que tous ces ennemis basiques, ils sont bloqués. Ils peuvent rien faire. Alors... Oui, il y en a une qui a pris des dommages, 375, les autres 532, 599, 514, donc par rapport à 600 points de départ, quasiment rien. Et moi je trouve que c'est une bonne idée que j'ai eue. Vite, 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 ah zut! Non, tire-toi, c'est moi qui vais. Va plus vite avec moi. Rock 3, barrière d'énergie 3, ouais, j'adore ça, j'adore trouver des échantillons, mais je vous avoue qu'il y a des moments, on passe des zones entières, il n'y a rien, que dalle. Alors les barrières d'énergie, c'est ces fameux, c'est ces arachnides holo qui les drop. Voilà, et paf, et paf. Harvester destination set. Launch sequence activated. 9, launch sequence activated. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch sequence set. Je suis trop loin d'ici. On n'a pas de fusil de sniper. Allez vite. Ouais. L'atelier de niveau 3, Zubeir. Zubeir, Zubeir, Zubeir. Seul inconvénient des tourelles, c'est qu'elles vont trop vite. Elles vont trop vite. Oula, lui il est gros. Ah.
quand ils se tombent là, en général, ils n'ont pas le temps de s'armer. Et donc, ils risquent pas de lâcher leur arme. Vous allez me dire, ils n'ont rien lâché non plus. Ah, zut, hein. Bon, je vais rester un moment sur cette planète pour essayer de finir de récolter les clones, les échantillons de clones et d'armes. Eh ben, j'ai terminé. Donc, j'ai récupéré lui, niveau 3. Et la voilà! La voilà, la voilà, la voilà. Bon, allez, on rentre vite, vite, vite. J'aime pas les rocs parce que ils lâchent des punaises. Une sorte de punaise là, bah, c'est dégueu. Évidemment. Et en plus. Et en plus, et en plus. Et bien évidemment, les ozos, ils sont tous planqués derrière les portails. Tra, je vous assure. Hein. Non mais vous le faites exprès les mecs, hein. Alors, donc, ce que j'ai récupéré, donc le roc 3... Ouais, c'est cool. Hein. J'en ai monté 2 au niveau 3. Hein. Plus 4 au niveau 2. Hein. J'ai toujours pas fini ça, hein, multiplicateur de dégâts. Et donc, ce que je dois faire en priorité, et hop, ensuite, voilà. Bon, tu vas prendre, hein, prends ton temps, hein, surtout. Voilà, merci, madame. Hop, que je vérifie quand même. Hein. Ah! Oh non, il me manque un platine! Oh, mais vous le faites exprès! Bon, ben les amis, raté! On fera ça dans la prochaine vidéo de Genesis Alpha 1, l'atelier de niveau 3, pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir monter comme arme, et puis surtout, je veux voir la taille de la pièce. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Genesis Alpha 1, amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien! Et à bientôt! Salut, bye bye!